Ah, nous avons un habitué au bout du fil, l'agent Andrews. Comme d'habitude, merci pour les services que vous rendez à notre belle ville. Alors, quoi de neuf ? Monsieur Jameson, vous savez que je suis l'un de vos fans, mais je viens de voir Spider-Man en action et j'ai collaboré avec lui pour empêcher les hommes de Wilson Fisk de récupérer leur disque dur. C'est un type bien. Une petite seconde, l'ami. Je ne mets pas votre parole en doute, je suis sûr que c'est effectivement arrivé. Mais vous vous êtes pas dit que c'était son intérêt de faire ça ? Comment ça ? Il a vraisemblablement de vieux comptes à régler avec Fisk. Et il veut les masser, ça ne fait pas de lui une mère Teresa. Ça veut juste dire qu'il est rancunier. C'est possible, mais pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute ? Pourquoi ? Parce qu'il se cache derrière son masque. Vous vous êtes formé, vous sortez avec votre insigne et votre nom visible, et vous faites votre boulot tous les jours. Lui, il court se planquer. Si vous causiez autant de dégâts que lui, que se passerait-il ? Je passerai le reste de ma carrière à faire de la paperasse. Et j'irai probablement plus jamais sur le terrain. Alors, cher ami, pourquoi devez-vous obéir à ses règles, et pas lui ? Ouais, maintenant que vous le dites... Vous vous ravisez enfin. Répondez, on a un... Easy, vente de stupéfiants. Besoin d'agents près de Keeps Bay. Attention, nous avons un cambriolage en cours. Voyez le bon côté. Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Attention à toutes les unités. Prise en chasse de plusieurs véhicules dangereux. Dirigez-vous vers le nord de Chinatown. Les démons sont suicidaires. Il y a une bombe dans le véhicule avant. Tiens, revoilà ma joyeuse clique de psychopathe masqué. C'est ici que tu descends. Oh, bombe dans le camion. Je dois la désactiver. Ah ouais, j'ai figé les démons. Vous avez des renforts qui m'attendent au coin de la rue, et quand je pense avoir gagné, vous les envoyez pour me démoraliser. Attends,
Parade mortelle interceptée. Équipe de sable sur place, rapport de situation. Sur Lower Chinatown, à vous. Patrouille blindée en route. On vous avertit au moindre signe de Spider-Man. Tourelle détruite. Encore des types de chez Sable. Je vais finir par penser que mes toiles les attirent. Une fois de plus, une ignorante membre de la secte de Spider-Man. Désolé.
Une fusillade. C'est jamais une bonne nouvelle. Devient aussi dangereux que les démons, en fin de compte. Attention, les pillards s'en prennent aux réserves alimentaires d'urgence. Envoyez des agents dans le quartier d'affaires. On dirait que ces prisonniers ont des otages. En flèche. Faudrait que j'arrive à me cloner. Thank you.
je vous l'avais prédit. Quel Nostradamus. L'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man, au mépris des conséquences, a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters, tous plus psychopathes les uns que les autres. Mon prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était... ces types rentrent comme s'ils étaient chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème! Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous choc. Raccrochez-lui au nez. Je vais bien. Au revoir! Ces réacteurs, leurs espoirs, leurs rêves, une énergie nucléaire instable. Ici le central de sable, la chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. Poste de contrôle sécurisé, zone de tir établie. Continue, il va y avoir des blessés. Ou pire. Le slogan, c'est « J'aime New York ». Pas « J'ai la haine de New York ». Et Osborne, qu'est-ce qu'il est devenu ? Sérieux, tu lis pas les journaux ?
centrale de sable. Faites-nous un point sur Bowery. Patrouille blindée en route. Aucune trace de la cible prioritaire. Encore des types de chez Sam. Je vais finir par penser que mes toiles les attirent. Préparez-vous, chers auditeurs, parce que là, j'ai du lourd pour vous. Nous sommes en ligne avec une dame dont le mari a été enlevé par Spider-Man. Ton problème, tu ne peux pas attendre.
individus masqués ont détourné un bus. Besoin d'officiers à East Village. Il se moque de ses responsabilités et des conséquences de ses actes. Livrez-nous, Osborne. On vous promet une belle récompense. Osborne ne mérite ni votre clémence, ni votre pitié. Osborne est un cancer, une tumeur qu'il faut détruire. On exige la remise en liberté de nos frères envoyés en prison après l'hôtel de ville. Nos frères ont absolument rien à se reprocher. Ils se battent pour un monde meilleur. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. On se conformera pas à vos lois perverties. Tant que nos frères seront pas libérés, aucun de vous ne sera à l'abri. Si vous respectez pas nos exigences, c'est innocent. Ah. Plus brutaux. J'arrive pas à croire que Martin y soit derrière tout ça. C'est Spider-Man. Prenez mon bon. Sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Oh mon gueule, au secours ! Je suis passé le corps, ça dit fort ! Hé, Spider-Man, c'est des types qui ont braqué un magasin. Le tuteur devait être défoncé. C'est lui qui a causé ce carnage. Les responsables de l'accident sont pas loin. Il faut que je les trouve et que je les arrête. Je me tire d'ici.
Il y a peu, les démons ont commis un acte terroriste atroce, en prenant un bus touristique et ses passagers en otage. Nous avons avec nous l'un de ces otages, Madame Packer, d'Edina, dans le Minnesota. Que s'est-il passé ? C'est... Madame. Eh bien, ces horribles hommes masqués sont montés dans le bus en brandissant des armes et nous ont pris en otage. Je pensais plus jamais revoir mes enfants. Ensuite, la police nous a sauvés. Avec Spider-Man, bien sûr. Il a été si courageux. Madame Packer. Oh, pardon, je t'ai fait peur? Que Sable a rendu mes balades dans New York plus intéressantes. Et aussi plus acrobatiques. À toutes les unités, 10-43. Les évadés prennent un bus en otage. À tous les agents disponibles, rendez-vous à Koreatown. Les prises d'otages. Hé hey, est-ce que ce bus passe par la Statue de la Liberté? Devient une cour de récré pour tous les cinglés. Bon, plus que d'habitude, je veux dire. Merci pour votre soutien. Bien, Spider-Man. Alerte à toutes les unités. 10-43, attaque sur un pourpoint de police. Les signalements proviennent de Little Tokyo. Cette ville a suffisamment de criminels en liberté comme ça. Vous en faites pas, on va tous vous raccompagner jusqu'à Riker. Cramer le bar. Remuez-vous! On va se faire pendant des heures!
comme des mouches. Rendez-vous! J'ai cassé la grosse bête. T'as vu qu'Octavius va plaider la folie. J'espère pour lui qu'il sortira. Ah, il se prélanché. Prison facile à la fin. Alors, vous avez un fait pour moi ou quoi? Espérons que ça ralentisse un peu sable.
vouloir me tuer, c'est ça? J'avoue, cher l'ami. Bon, faut s'occuper de ces évadés maintenant. Ça doit être la grosse usine au département RH de Sable International. Leur virée, leur prière est officiellement terminée. Bien joué. Après, vous avez une drôle de façon de remplir vos constats, vous. Il est rapide! Ne perdez pas les yeux! Ça y est, j'ai toute la collection. Faut pas voir ça comme un retour en prison, plutôt comme un retour à la maison.
Mes amis, vous savez que j'écoute toujours tous les points de vue. Un officier de police m'a accusé sur les réseaux sociaux de m'acharner sur Spider-Man. La vidéo est devenue virale et les gens ne parlent plus que de ça. J'ai donc accepté d'organiser un débat. Officier, bienvenue. Merci de me recevoir. Alors voilà, moi et mes gars, on était pris dans une fusillade avec des individus qui n'avaient plus rien à perdre. Ils se fichaient qu'on meurt tous. Et je vous garantis que ça aurait très mal fini si Spider-Man nous avait pas aidés. D'accord. Je ne dis pas qu'il ne fait jamais de bonnes actions, je dis juste qu'il cause plus de problèmes qu'il n'en résout. Vous avez dû faire l'école de police, je suppose. Vous avez suivi une formation approfondie, vous avez des règles à respecter. Bien sûr, mais je pense que lui aussi sait ce qu'il fait. Tout s'est bien passé cette fois. Mais la prochaine fois, comment pouvons-nous savoir si Spider-Man ne causera pas la mort de personnes impliquées? Mais il n'a jamais causé la mort de personne. Je crois que nous n'arriverons pas à nous entendre. Merci pour votre travail. Allez, au revoir. À toutes les unités, un véhicule est actuellement pris en chasse. Demande de renfort à Upton Town. Ok, ça, c'est une course-poursuite à haute vitesse. Vous mettez en danger la vie d'autrui. Ne nous obligez pas à employer la force. Mais c'était sympa. Toi, je te mettrai pas 5 étoiles. Coupez les tirs, t'as pas les moyens d'installer un barrage. Quand on dit on se tire, tu vois ce que ça veut dire? Encore des malfrats? Ils se sont donné le mot? Pire dans le métro. Ici centrale de sable, comment ça évolue dans le sud de Houston? Poste d'observation établi. Le prioritaire. Je dois démanteler cet endroit. Essayons de le faire discrètement pour éviter les blessés. Au roi du silence. Bah alors, il y avait un truc pour moi ou quoi?
proprios de ces immeubles font payer un loyer à sable pour ces postes d'observation. C'est un sacré accident, ça. Ça a l'air grave. J'y suis presque! Trouver les responsables de ce carnage avant qu'ils fassent d'autres victimes. Accélère! Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Je suis désolé de vous dire ça, mais il va falloir envisager de retourner à l'auto-école! Ça, c'est pas sympa. Bienvenue.